émanations de Mako. À croire que cette montagne en est une source inépuisable. Tâchez de ne pas trop en respirer. J'ai pas l'intention de finir intoxiqué. Allez. Des frissons. Suffit d'y aller d'une traite. Hé, hey, c'est moi qui guide. Thank you.
Son destin ne dépend plus de nous. Sauras-tu nous guider ? Oui. La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur ? Je ne sais pas. Je suis désolée. Je vois. Bien. On ne peut pas te laisser rentrer seul. Tu vas venir avec nous. D'accord. Et maintenant, on avance ensemble. Je vais t'observer de plus près. C'est un test ? Peut-être.
sens des émanations de Mako. C'est particulièrement dense. Faites attention. Ne traînons pas ici. Respirez pour Mako et Roger. Bouge plus! C'est pas mécontent de moi! C'est un gisement de Mako. C'est magnifique. Mais si on continue d'abuser de l'énergie Mako, cette source finira par se tarir. N'importe quoi, qui t'a raconté ça? Mon père. Et puis, le maire le dit aussi. La planète est immense. Et la Mako illimitée, pas vrai? Des cristaux de matéria. Les matérias sont créés par condensation d'énergie Mako. Cette formation naturelle est impressionnante. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Au fait, quand on a des matérias, pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts? Comment as-tu fait pour devenir un soldat? C'est le savoir des anciens. Les matérias renferment une part de leur conscience, leur capacité à manipuler les éléments naturels. Cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts, en théorie. D'accord. C'est quand même un pouvoir étrange. Je connais quelqu'un qui serait fou de rage s'il t'entendait dire ça. Il rejette même l'appellation de magie. Il dit que c'est un affront à la science. Qui ça? Ojo. Du département scientifique. Le piètre successeur d'un chercheur de génie.
accès jusqu'à la moelle. Bien, allons-y. Attention.
notre défense. Prends ça. Pas mécontent de moi.
Attends. C'est quoi ? En arrière. C'est le genre d'action que tu attendais. Ouais, si on veut. Il doit protéger les cristaux. J'ai pas l'intention d'envoler. Et c'est non pour un coup. Bouge plus. Je peux pas te libérer. Fais plus attention. Zephyrus, s'il te plaît. Mutilons cette patte. Je vais lui montrer que je maîtrise pas seulement l'épée. Prends ça ! Attaquons ses pattes ! Attaque les pattes pour le faire tomber. Génial ! Profitons-en vite. Ok ! À toi, l'honneur.
travail. Hein? Non, mais attends un peu. À t'écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que Sephiroth est un brave type, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire. Pourtant, je t'assure que c'était le cas. C'est un ennemi de la planète. L'incarnation même du mal. Alors, pourquoi il a complètement changé? Balance-nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne. T'inquiète. On va y venir. Tifa, désolé, tu restes là. Quoi? Pourquoi? Je veux y aller avec vous. Je veux voir. Les civils ne sont pas autorisés. Surtout aujourd'hui. C'est pas juste. Je te charge de la protéger. À plus. C'est bon. Voir le réacteur, moi. Il a l'air de tourner normalement. Les vieux modèles de ce genre sont censés ne plus tourner qu'à bas régime, pourtant. Et bien sûr, les gens du village n'en ont aucune idée. Méthode typique de la Shinra. C'est le genre de politique qu'on ferait bien mieux de revoir. On va dire ça au président. Alors, c'est quoi le problème, à ton avis? La gestion du site. Normalement, elle revient au développement urbain. Mais ce réacteur est confié au département scientifique. Oula. J'ai un mauvais pressentiment, maintenant. Tout ce que tu vois ici est top secret. Ouais, je sais.
appuyer sur ta lame. Fais-le maintenant. C'est une fuite de pressurisation des capsules qui a causé le dysfonctionnement. Cloud, va fermer la valve à l'extérieur. D'accord.